Top 3 des voitures contrôlées par la police à tous les coins de rue. Partie 2. En troisième position, une nouvelle arrivante, la Golf 8R. N'espérez pas être tranquille au volant de cette Golf 8R, elle a vraiment une mauvaise réputation. GMK en a acheté une full black et même lui a nommé sa vidéo « J'ai acheté une voiture de voyou ». C'est bien dommage car elle est vraiment magnifique, en plus de ça elle a de très bonnes performances, 1-0 à 100 en 4,6 secondes et une vitesse maximale de 290 km/h. Vous en trouverez pas mal entre 45 et 50 000 euros. En deuxième position, l'Audi RS6, phase à partir de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et non, les RS6 ne sont pas des voitures de bon Saint-Maritain. Non. Oui, vous risquez très fortement de vous faire contrôler toutes les semaines par les forces de l'ordre au volant de celle-ci, alors prenez bien ce critère en compte avant l'achat. On est sur quelque chose de sérieux, 4 litres V8, 560 chevaux, et vous en trouverez à partir de 40 000 euros pas mal kilométrés. En première position, le Porsche Cayenne Phase 1 955-957. Et oui, ce Cayenne Phase 1 a longtemps été associé à une voiture de dealer, et c'est bien dommage, je la trouve vraiment magnifique. Vous en trouverez pas mal aux alentours des 10 000 euros.